Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme souvent, je vous propose de trouver la définition d'un mot, comment dire son étymologie, et on regardera la réelle définition ensuite dans le dictionnaire. On va essayer de découvrir ensemble, c'est simple. Aujourd'hui, je vous propose le mot « obéré ». Alors, je ne tomberai pas dans le piège, non, négatif, c'est pas le béret du militaire. Oh, 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 non, c'est trop facile, ça peut pas être ça. Oh, béret. Non, c'est, voilà. Non, je pense que, oh, béret, à mon avis, parce que j'ai vécu quelque chose dernièrement, c'est ma petite nièce qui s'est fait obérer justement de l'appendicite, par un chirurgien qui était enrubé. Du coup, enrubé ou pas, le gars, il obère, quoi. C'est son métier, il met un max, et puis comme ça, il peut obérer. Donc, je pense que ça vient de là, quoi. Merci à ma petite nièce, d'ailleurs, si elle me regarde aujourd'hui. Donc, obérer, à mon avis, c'est ça. Alors, obérer. Ah ben non. Désolé. Au revoir. Et bisous à ma petite nièce. Pardon.